Je suis qu'un pauvre type incapable d'intéresser qui que ce soit. Il m'a entendu le traiter de gros naze en direct. Je suis désolée, Nino, vraiment. En fait, on a été victime d'un plan stupide. Bah, n'en parlons plus. À partir de ce soir, on part sur de bonnes bases. Ça marche. Je t'aime. J'ai jamais aimé autant. Il y a quelque chose qui va pas? Je me sens si seule. C'est un sentiment que je connais bien aussi. Je suis pas douée pour les histoires d'amour, c'est tout. J'ai des grosses embrouilles. Quel genre? Je t'avais dit que j'avais trouvé des plans pour me faire de la thune avec un mec. Il veut m'obliger à faire un truc dégueulasse. Tu vas aller dans l'ordi du mec de ta mère et copier toutes les données qu'il y a dedans. Mais sérieux, laisse tomber. C'est un plan pourri, ça. Tu vas avoir que des emmerdes avec. Alors, t'as fait ton choix? Bon, moi, j'ai besoin de thunes pour me casser d'ici, je te le rappelle. Ben, après ce coup-là, c'est pas seulement le billet d'avion, tu pourras te payer. Vous avez ce que je vous ai demandé? Il a été parfait. Il a réussi du premier coup. Maintenant, je vous laisse passer à la suite. Je prépare un casse dans une annexe de la préfecture de police. C'est lui le mec chelou qui voulait te faire faire des sales trucs? S'expliquer, tout baigne. Et cool. Tu lis. Pourquoi tu voulais me voir si tôt? C'est grand genre, mon pote. J'espère que t'es prêt. Prêt à quoi? À devenir riche. Le vol des passeports à la préfecture. C'est pour ce soir. Putain, tu pourrais me prévenir avant quand même. Pourquoi? T'as autre chose de prévu? Non, non, mais c'est pas ça. Mais attends, moi, faut que je m'organise. Pourquoi foutre? Écoute, je commence à me demander si j'ai eu raison de monter cette affaire avec toi. Vas-y, mais c'est qui a copié l'ordi de Castelli dans son bureau? Sans moi, j'aurais pas d'affaire du tout. Bah justement, on peut plus reculer maintenant. 200 passeports, ça vaut le coup de se bouger le cul. Comment ça se passe? T'as un plan? On entre dans le local après la ronde des flics. Là, on désactive l'alarme. Après, il nous reste 20 minutes jusqu'à la prochaine ronde. Ouais, bah faudra pas traîner, mais ça peut se faire. Ok. Bon, bah on se retrouve ici cette nuit à 1h du mat. Quoi, 1h du mat? Attends, on peut pas se retrouver plus tôt dans la soirée? Oh putain, c'est hallucinant, quoi. C'est une opération de précision, on peut tout est réglé à la seconde. La porte de l'hôtel, elle est fermée à 11h, j'ai pas de clé, moi. Ma mère, c'est quelqu'un qui se méfie vachement. T'as qu'à lui demander gentiment la permission d'aller cambrioler la préfecture? T'arrêtes de te foutre de ma gueule. Je te rappelle qu'elle vit avec un flic, alors trouve-moi plutôt une excuse pour entrer tard. Écoute, tu te démerdes pour te casser en douce, sinon je me trouve un autre partenaire, ok? Ok. Ok, c'est bon, je vais trouver un plan. On a juste le temps de partager une tasse de café, après je file. Tu pars déjà au cabinet? Je préfère, c'est un peu ma rentrée des classes. Et j'ai besoin de reprendre mes marques. En tout cas, t'as l'air content de retravailler? C'est vrai. Je me sens nettement mieux qu'au moment où je me suis arrêtée. Impression de redevenir moi-même. Comme quoi, Céline avait raison, t'avais besoin d'un petit break. Pourtant, Jamila n'est pas sortie d'affaire. Mais je sais pas pourquoi. Je sens que les difficultés sont derrière nous. Le plus important, c'est que t'aies le moral. C'est grâce à toi que j'ai le moral. J'en suis conscient. Je sais même pas comment tu as fait pour me supporter. Tu plaisantes ou quoi? J'arrête pas de râler. Ouais, mais t'es là. T'as fait face à mes angoisses, à mes sautes d'humeur. Comment tu peux aimer un emmerdeur comme moi? C'est pas vrai. Je trouve que t'es très courageux et en plus tu traverses une période difficile en ce moment. C'est grâce à toi que j'ai tout ce courage. Sans toi, je sais pas ce que je viendrais. Même mort vivant. Ça y est, j'ai encore plombé l'ambiance. Ah non, c'est bon. Phil, va au cabinet, tu vas être en retard. Tu sais ce que tu mérites, ma chérie? Le bonheur non-stop. Jusqu'à la fin de la vie. Satisfaite ou remboursée? M'y engage. À ce soir. Et voilà pour toi. Et bon appétit. Merci. Dis-moi, Rachel va bien? Ouais. Parce que je l'ai pas beaucoup vue ce week-end, hein. Ah oui, mais c'est normal. Elle était en vadrouille. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle faisait? Des photos. Comment ça, des photos? Je veux dire, des photos de quoi? Ah, des photos de tout. De Marseille. C'est sa nouvelle passion. Elle vient d'acheter un appareil photo numérique. Mais c'est cool, hein. Surtout très inattendu. Au moins, ça lui permet de pas penser à la maîtresse de son mari, Émilie Machin. Hein. Ouais, t'en es bien sûr de ça? Ah, elle me l'a dit. Elle m'a dit depuis que je l'ai vue, je me sens mieux. Ça veut pas dire qu'elle y passe plus, hein. Ouais. Ça fait 40 ans qu'elle est passée, cette histoire, Roland, là. Je veux bien qu'elle ait eu les boules, mais pas poussé. Tu sais, petit,
Les blessures qui font le plus mal, c'est souvent celles qui viennent du passé. Ouais, mais là, je crois qu'elle a vraiment tourné la page. Et tu les as vues, ces photos? Enfin, je veux dire, elle te les a montrées ou... Non, non, pas encore, non. Si tu veux un conseil, je crois qu'il faut être très attentif avec ta tante. Il faut l'entourer un peu plus en ce moment. Vous avez peur de quoi? Je sais pas. Moi, je trouve cette soudaine passion pour les photos un peu suspecte. Ok, je ferai gaffe. Oh putain. Je vais être à la bourre, là. Il faut que j'y aille. Et ton déjeuner, là? Nathan! Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air stressé. Non, non, non. Quoi, t'as encore eu des embrouilles avec l'autre mec, là? Non, mais ça va, je te dis. Par contre, j'ai un truc à faire cette nuit et j'ai besoin que tu me couvres pour que je puisse sortir. Attends, c'est quoi cet embrouille, là? Non, mais y a pas d'embrouille, y a pas d'embrouille. En fait, je dois bouger vers 1h du mat. Faut juste pas que ma mère soit au courant, c'est tout. Qui veut faire à 1h du mat? Bon, ça, c'est mon problème. C'est aussi mon problème, parce que si je te couvre, je prends des risques. Alors tu vas me dire ce que c'est, le plan dans lequel tu t'es fourré, là. Putain, Nathan, t'es vraiment devenu pire qu'un flic, hein. Ça va, c'est un plan pro, y a aucun risque. Donc c'est avec l'autre mec, c'est ça? Bon, arrête de bloquer sur lui, je t'ai dit que ça va. Il est cool. Tu devrais pas lui faire confiance. T'as vu comment il t'a traité la dernière fois? Ouais, mais on a des relations d'affaires, on n'est pas là pour se prendre la tête. Si tu fais des affaires avec lui, t'auras que des emmerdes. Oh putain, t'arrêtes de me saouler avec ta morale à la con, là. Je te demande juste un service, c'est bon? Pourquoi tu t'énerves? Bon, tu peux m'aider ou pas? Ok, je vais te couvrir. Je t'aurais prévenu. Coucou les filles. Ça va, je dérange pas trop? Bah c'est lundi, Ninon épluche les petites annonces de boulot. D'ailleurs, si t'avais un bon plan bien payé avec des horaires cool et un patron super sympa, ça serait génial. Désolée, non. Dites, vous êtes partie un peu vite vendredi soir. Ouais, on était crevés. Ouais. Mais y a pas eu de problème avec Renaud? Enfin, je dis ça parce que j'ai remarqué qu'il avait pas arrêté de te coller pendant toute la soirée. Non, 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 on a juste discuté. D'ailleurs, j'ai dû le saouler, mais... Ah non, je crois pas. Il buvait tes paroles, attends, il était comme fasciné. Je m'en veux d'avoir monté ce rencard débile entre vous, là. Maintenant, je suis sûre qu'il s'est mis des idées en tête. T'inquiète, je crois qu'il a bien compris qu'on était juste potes. De toute façon, j'ai pas l'intention de le fréquenter tous les jours non plus. Moi, tu veux un café? Ah oui, avec plaisir. Vous vous êtes fait discret ce week-end avec Rudy? Bah, figure-toi qu'on a pris le large. J'ai débarqué samedi matin en Select avec deux billets de train, direction la Camargue. Et c'était en quel honneur, ce petit voyage de noces? Ben, vendredi, j'ai un peu complètement zappé que ça faisait un an qu'on était ensemble, alors j'ai voulu me rattraper. Merci. C'est sympa, la Camargue. Enfin, quoi, y a pas de moustiques? Attends, on était dans une ferme auberge, perdue au milieu de nulle part. On s'est baladé, on a fait du cheval. Et puis samedi soir, on a parlé jusqu'à 3h du mat, devant un énorme feu de bois. C'était... hyper romantique. Ouais. Un an qu'on est ensemble. Enfin, j'en reviens pas. C'est énorme, non? Vous avez déjà été aussi longtemps avec quelqu'un? Non. On n'est pas vraiment du genre à s'installer, nous. On préfère l'aventure. N'est-ce pas, Ninon? Pas ici. On risque de nous voir, là. J'ai attendu ce moment tout le week-end, pas toi? Oui, moi aussi. Moi aussi. J'ai beaucoup réfléchi aussi. Y'a quoi? À nous deux. Tu me fais peur, Mélanie. On commence par « j'ai beaucoup réfléchi » et on ajoute quelque chose du genre « faut plus qu'on se voit ». Il y a des fois où ça sert à rien de réfléchir. Il y a des choses qui s'expliquent pas. Comme quoi, par exemple? Notre rencontre. C'est une évidence, c'est le destin, on peut pas lutter. Non mais tout ça, c'est des mots, c'est joli, ça fait rêver, mais il y a un moment donné où on se réveille. Qu'est-ce qui se passe, Mélanie? J'ai besoin de comprendre ce qu'il y a entre nous deux. Pourquoi on a besoin d'être ensemble à ce point-là? Mais je sais pas. Quand on fait l'amour, c'est si fort et ça me fait peur. Ma vie est en train d'exploser et je veux comprendre ce qui se passe. Mais j'ai pas la réponse. Je peux juste te dire que je ressens la même chose que toi. Peut-être qu'entre nous, c'est purement physique. J'imagine que je dois le prendre comme un compliment. Pourquoi pas? C'est important, le plaisir. Et si tu me dis que t'as juste voulu passer un bon moment avec moi, je comprendrai et je t'en voudrais pas. C'est ce que tu veux entendre? Je te dis que si tu me disais ça, eh ben... cette semaine resterait un très beau souvenir pour moi. Écoute-moi, Mélanie. Ce que je veux, c'est construire quelque chose avec toi. T'en es sûr? Certain. Et pour ça, je suis prêt à tout.
Là, si tu me demandes de partir à l'autre bout du monde ou même d'arrêter d'écrire, je le ferai. Je suis heureuse alors. T'es le seul, l'unique sens de ma vie. Tu veux pas me dire ce qui te tracasse? Rien, pourquoi? Je sais pas. Quand Estelle a parlé de ça un an avec Rudy, t'as changé de couleur? Ah non. Moi, je suis très heureuse que tout se passe très bien entre eux, et franchement, j'ai d'autres chats à fouetter en ce moment. Et non. Hier, t'as trié des vieilles photos, et ça, c'est un signe. Un signe qui ne trompe pas. Ah oui? C'est un signe de quoi? D'une intense prise de tête sentimentale. C'est vrai qu'en ce moment, je repense à toutes ces histoires qui ont compté, à ce que ça aurait pu devenir, à ce que j'ai foiré. Tes histoires qui ont compté, c'est Rudy. Ouais, si on fait le bilan, c'est vrai que c'est ma seule belle histoire d'amour. Et tu la regrettes? Non, c'est comme ça. Je détruis tout ce qui est beau, tout ce qui me fait du bien. Ouh là là, toi, il faut que t'arrêtes de gamberger. Hein? Si t'as une recette miracle, j'achète. Eh ben, il faut que tu optes pour une attitude mentale d'ouverture. C'est-à-dire? Eh ben, faut que t'as envie de séduire, de faire des rencontres, de sortir... Attends, Juliette, on va faire les choses dans l'ordre, hein? D'abord, je trouve le boulot, puis le mec, on verra plus tard, ok? C'est Renaud, tiens. J'ai une surprise pour toi, viens tout de suite chez moi. Une surprise. Peut-être qu'il t'attend entièrement nu. Putain, j'en peux plus de ce mec, Juliette. Faut que je mette les choses au point, je n'en peux plus. Rachel, t'as un appareil photo que tu as là? Non, rampe à fromage. Je me disais aussi. Alors, Nathan m'a dit que tu t'étais découvert une nouvelle passion. Oui, il n'est jamais trop tard pour commencer, tu crois pas? Ouais, ben oui, bien sûr. Alors, tu photographies des lieux de Marseille? Exactement. Ah, tu me les montres? Quoi donc? Ben, les photos que tu as faites. Ah non, 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 ça c'est impossible. Pourquoi, elles ont quelque chose de secret? Tu permets, je te trouve bien indiscret. Rachel... Quoi? Ne me prends pas pour un idiot, s'il te plaît. Je sais très bien que tu n'as pas complètement oublié cette Émilie Fontaine. Qui hein? Ça? Tu veux parler de la poule d'Albert? Mais pourquoi tu me parles d'elle? Allons. Parce que j'ai peur que tu fasses des bêtises. Je te remercie beaucoup de veiller sur moi, Roland. Mais je ne suis pas encore retombée en enfance. Je sais ce que je fais. Hmm? Ouais. Bonjour. Je pensais pas que tu viendrais aussi vite. Tu veux voir quelque chose? Non, je vais pas rester longtemps. Ah. T'es pressée? Écoute, Renaud, je suis là pour dissiper le malentendu. Quel malentendu? Tu es un garçon très chouette, tu as une très grande qualité d'écoute et tu as certainement beaucoup d'autres qualités que j'ignore. Gentil. Mais pour qu'il se passe quelque chose entre deux personnes, il faut qu'il y ait une attirance commune, des deux côtés. C'est sûr. Et pour montrer que cette attirance existe, les gens s'envoient des signaux, tu captes? Oui. Ça peut être un sourire, ça peut être un regard, ça peut être rougir quand on s'y attend pas. Est-ce que tu m'as vu émettre un seul de ces signaux vers toi? Je crois pas. Non. Donc, quelle est ta conclusion? La conclusion, c'est que je ne suis pas attirée par toi. On pourrait être les deux derniers êtres humains sur Terre, la survie de l'espèce peut dépendre de nous, il ne se passerait rien. Oui, je crois que j'avais bien compris. Alors pourquoi est-ce que tu m'envoies ce texto? Ça veut dire quoi? En fait, je voulais te proposer du boulot. Tu cherches toujours quelque chose? Enfin, du travail, je veux dire. Elle essayait d'avoir l'air détachée, mais je voyais bien qu'elle était désemparée. On aurait dit un petit animal pris au piège. Oh, la pauvre. Je vais la plaindre. Elle m'a laissé une ouverture dans l'éventualité où je voudrais la laisser tomber. C'est vrai? Racontez-moi ça. Elle m'a dit qu'elle comprendrait, que je resterais un beau souvenir. Mais ses yeux disaient le contraire. Vous avez rassuré Mélanie sur la sincérité de votre amant, j'espère. Bien obligé. Vous allez pas recommencer? Il a fallu que je tombe sur le seul gigolo qui ait des états d'âme, moi, tiens. N'importe qui en aurait devant cette fille. C'est tellement facile de lui faire du mal. Rassurez-vous, elle est tout à fait capable d'en faire aux autres quand l'occasion se présente. Bon, je sais que vous avez vos raisons pour agir comme ça, mais je trouve qu'on va trop loin. Encore? Vous frôlez la faute professionnelle, monsieur Thévenin. Si je lui disais aujourd'hui que je l'ai jamais aimé, croyez-moi, elle aurait du mal à s'en remettre. Du mal à s'en remettre. C'est très insuffisant. Bien. C'est vous qui voyez. Rassurez-vous, la comédie ne durera plus très longtemps.
Demain, on va porter les stockades et Mélanie se retrouvera sur le carreau. Je veux pas que tu passes la nuit à jouer à des jeux vidéo. Mais c'est pas toute la nuit, j'essaierai de rentrer le plus tôt possible. Non mais tu dis ça maintenant, mais une fois que tu y seras, tu verras pas le temps passer. Mais non, mais de toute façon, j'ai aucune raison de me lever tôt demain, je vais plus en cours. Hein. Bon, il n'empêche, c'est pas une bonne habitude à prendre. Mais non, mais c'est pas une habitude, juste une fois. C'est super important, on doit jouer à Kingdom Arcadias, c'est un jeu en réseau, il déchire. Non mais vous pouvez jouer jusqu'à 11h. Hein, je veux bien te donner la permission de minuit. Minuit, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que... on doit jouer avec un Coréen. Ouais. Ouais, il est à Séoul et il peut pas se connecter avant 1h du mat. Le mec, c'est un vrai champion et ça fait des semaines qu'on attend l'occasion de se mesurer à lui. Ouais, et puis en plus, c'est pas un jeu de bois, vous savez, c'est un jeu de stratégie. Mais toi, t'as pas cours demain? Si, à 11h. Ça va? Et ta grand-tante, elle est d'accord? Ouais, pas de problème. Ouais, même qu'elle a dit qu'elle aimerait bien essayer une partie. Pour voir. Bon, d'accord, alors je te donne l'autorisation jusqu'à 3h, mais c'est exceptionnel. Et je veux que tu rentres à l'heure, d'accord? Ok. Merci, t'inquiète pas. Et si elle appelle tante Rachel pour vérifier? Ben, je serai dans la merde. Ouais, et moi aussi. Hey. C'est sympa de passer me voir. Je suis définitivement pathétique. Mais encore? Renan m'a envoyé un texto en me demandant de passer chez lui. Et moi, je croyais qu'il me relançait, alors j'ai été odieuse et en fait, il me proposait juste un taf. C'est pas drôle, Rudy. Il y a vraiment un truc avec ce mec. On n'est jamais sur la même longueur d'onde. Ouais, en même temps, elle est un peu spéciale, sa longueur d'onde. Hein? Et c'était quoi, ce boulot? Une traduction de 150 pages payée 10 euros la page, tu vois. Eh, bah, c'est bien, si je comprends bien, t'as plus de problème d'argent. Sortez fou, j'ai refusé. Attends, t'es complètement dingue, là. Mais Rudy, d'après toi, pourquoi il me le propose, ce plan, Renaud? C'est pour rester en contact avec moi. Oui, mais si tu l'as acheté, y a pas de raison qu'il te ressaute dessus, là. Mais justement, j'étais odieuse, je peux en plus accepter son aide. Mmh. Moi, j'appelle ça de l'orgueil. Et de l'orgueil mal placé. Tu crois que ça me fait plaisir de refuser 1500 euros? Eh ben justement, tu le rappelles, ce Renaud, là. Tu fais profil bas et tu l'acceptes, ce taf. Tu sais, c'est pas très compliqué, hein. Tu peux essayer, allez. Excuse-moi pour tout à l'heure. À toi maintenant. Vas-y, vas-y. Essaye. T'as raison, c'est moi qui suis conne. J'ai besoin de ce taf. Ouh. Oh. T'as pris des sacrés risques sur les bosses là-bas. Ouais, j'avais besoin de me défouler. Ah, j'ai vu ça. J'ai même cru que t'allais te vautrer. T'inquiète pas pour moi, je maîtrise. C'est quoi, c'est à cause de Mélanie? J'avais juste envie de me vider la tête, ça t'arrive jamais à toi? Ouais, à d'autres. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a aidé à son mec, c'est ça? Non, mais c'est pas la question. Laisse tomber, s'il te plaît. Ok. Bon, j'étais comment, là? Tu m'as épaté. Ouais. Ah non, mais c'est incroyable ce que tu progresses vite. Tu sais quoi? Le cross écolo, je crois que c'est vraiment mon truc. Tu vois, je te l'avais dit. T'y fais finalement la moto électrique. Tu sais quoi? Je vais en acheter une. Ah bah parfait, tiens. La prochaine fois, je t'emmène sur un terrain un peu plus technique, là. On va voir ce que t'as dans le ventre. Allez. Bon, qu'est-ce qu'elle avait, Rachel, ce soir? Pas rien, pourquoi? Mais si, elle était complètement nasse. C'est à peine si elle s'est pas endormie à table. Tu pousses pas un peu, là. En tout cas, maintenant qu'elle est couchée, on va pouvoir oublier la vaisselle et focaliser nos esprits sur quelque chose de vraiment important. Et Rachel, si elle se relève? T'inquiète pas, elle en écrase comme un bûcheron. Non, sérieusement, ça t'inquiète pas qu'elle soit aussi fatiguée? Elle a couru dans tout Marseille, elle s'est mise à la photo. Ah bon? Elle prend quoi comme photo? C'est tous aussi curieux. Hein. Non, je sais pas. Ah, par contre, on peut vérifier facilement. Non, c'est pas à nous, on n'a pas le droit de faire ça. C'est toi qui m'as donné l'idée. C'est quoi ce délire? Il a pris que des photos de la même meuf. Ah, tu la connais, cette dame? Non. Attends, elle sort jamais sans son petit carnet. Ah, écoute ça. 9h, cours de yoga. 11h, rencontre avec une amie. 10h30, retour au domicile. C'est pas vrai. Elle s'est improvisée détective privée ou quoi? Tu comprends pas, c'est elle.
À qui? La maîtresse d'Albert. Depuis qu'elle a appris qu'il l'a trompée, elle est dans tous ses états. La dernière fois, je l'ai même vue en train d'engueuler sa photo. Ben, sérieux? Mais pourquoi elle l'espionne comme ça? Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire? J'en sais rien. C'est toute la question. Oh, j'ai un boulot. Tu te rends compte? Mais tu vas t'en sortir avec cette traduction. Ça va pas être évident. Tu plaisantes, c'est un plan en or. Tu vois que Renaud Sardi est un pote. Et juste un pote. Mm-hmm. Bon, passons aux choses sérieuses. Viens voir. Parce qu'il n'y a pas que Renaud Sardi qui travaille pour ton avenir. Audie, tu dors jamais, toi. Tu vas pas me faire le plan site de rencontre, Juliette. C'est pour les nazes, ce truc. Mais tu rigoles, 300 000 connexions par jour. Et ça prouve quoi? Bah qu'il y a forcément des mecs bien dans le lot. Je dirais même des hommes hors du commun, des perles rares. Ouais, enfin, tu vois, ce genre de probabilité... Écoute, ce matin, tu disais d'abord le travail, ensuite les sentiments. T'as trouvé du boulot. Alors, on passe à la phase 2. J'ai pas envie de rencontrer un mec comme ça. Ah ouais? Et t'as envie de quoi? Je sais pas, moi, j'ai envie de tomber amoureuse. J'ai envie de vivre quelque chose d'inattendu, de spontané. Mais pour ça, faut se mettre en condition. Se mettre dans une attitude mentale d'ouverture, c'est ça? Bien. Bon, t'as compris la théorie, maintenant on passe aux travaux pratiques. T'as vraiment une tête de mule, toi, hein? Bon, d'abord, faut s'inscrire. T'as la chance, c'est gratuit pour les filles. Ah bah tiens, comme par hasard. Choisissez un pseudo. Je mets quoi? Nini la coquine? Non, oh, la info tant que t'y es. Bon, description physique. Eh bien, brune, 1m80, forte poitrine. Allez, laisse-moi faire. Si on se lance là-dedans, au moins, faisons-le sérieusement. Oui, t'es blonde, c'est important. Je suis blonde, très blonde. J'ai l'impression que les choses vont s'arranger avec Maxime. Ah ouais? Vous avez discuté? Il m'a demandé la permission de sortir ce soir. Ah oui. À mon avis, c'est qu'il pense rentrer tard. Oui, mais c'est pas la question, en fait. Ce qui compte, c'est qu'on a eu une vraie conversation. Et tu sais où il est allé? Le flic n'est pas bien loin, hein. Il est chez Nathan. De l'autre côté de la place. Ça va? T'es rassurée? Pas forcément, non. Pour la première fois, j'ai vraiment eu l'impression d'être sa mère. Il a essayé de trouver des arguments pour me convaincre. Il s'est pas énervé. Bah, c'est normal, t'as cédé. Ah non, j'ai donné mon autorisation. Je veux l'encourager à me parler. Tu crois que j'ai eu tort? Ah non, j'ai pas dit ça. Bon, je m'en voudrais, parce que s'il recommençait à faire des bêtises, ce serait comme si j'étais pas capable de m'occuper de lui. Non, mais t'as eu raison de lui lâcher la bride. C'est important que ça s'arrange entre vous. Tu sais, je crois que c'est un bon gamin. En fait, il a juste besoin d'apprendre à faire confiance. Moi, j'étais comme ça aussi quand je t'ai rencontré. Et tu m'as redonné foi en la vie. Je veux te faire une confidence. Toi aussi, tu m'as redonné foi en la vie. Tu crois qu'on va former une vraie famille? Sous les yeux. Yes. La prochaine rendez-vous dans 20 minutes. C'est le moment de vérité, mon pote. Peut-être que quelque chose a changé. Ferme-la. C'est bon. L'alarme est désactivée. Ouais, ok.